Jules Verne est l'auteur français le plus traduit dans le monde. Cette renommée, il la doit à ses 62 romans « Les voyages extraordinaires ». Les aventures du capitaine Nemo, de Phileas Fogg, de Michel Strogoff ou du capitaine Atterras ont fait frémir des générations entières. Jules Verne est né à Nantes. Il a étudié à Paris avant de s'installer en Picardie. Une terre qu'il a adoptée. Et c'est l'influence réciproque entre l'écrivain et son pays d'adoption que nous allons découvrir. Avec Alexandre et Samuel, spécialistes de Jules Verne, Philippe, qui partage avec Jules un certain goût pour la mer, Claude et Samuel, qui hantent sa demeure à Amiens, ou encore Bernard, Jean-Pierre et Marc, qui nous révéleront l'héritage du grand écrivain. Et retrouver un contact pour faire des débats. L'histoire picarde de Jules Verne commence au Crotoy, dans les brumes de la baie de Somme, vers 1865. On est ici sur l'estacade du Crotoy, le petit village que Jules Verne a connu quand il venait prendre les bains de mer, un petit village où il y avait toute une communauté de marins, des pêcheurs, des gens du commerce. Et donc il s'est fait beaucoup d'amis et c'est ici qu'il a commencé à naviguer avec des pêcheurs, des yachtsmen. Et donc cette estacade, elle est très symbolique parce que c'est là en fait que les bateaux accostaient et partaient à la mer. Donc on peut très bien imaginer que Jules ici venait regarder les bateaux, venait rêver, puisque c'était un peu son secret, il aurait bien aimé être marin. Et d'en voir partir un bateau, c'était pour lui toujours un grand moment. Jules Verne écrivait tout le temps. Donc forcément ici, forcément dans le train, forcément dans sa maison, forcément à Amiens. Mais certain que ce lieu a quand même influencé Va mieux sous les mers. Ensuite, l'influence énorme aussi, c'est de trouver dans Va mieux sous les mers des noms de gens du Crotoy. Donc on a, Philippe parlait tout à l'heure des marins de Jules Verne, mais dans Va mieux sous les mers, Aronnax cite Paul Boss. Et Paul Boss, c'est quelqu'un du Crotoy. Oui, c'est vrai qu'ici, il y avait une communauté de marins qui était assez riche. Et Jules Verne, en fait, se sentait bien avec ces gens-là. C'était des gens simples, c'était des gens directs. Ça le changeait un petit peu de ce milieu artistique un peu sophistiqué ou compliqué. Lui, il aimait un peu les choses brutes, quoi. Donc, ses rapports avec les marins étaient pour lui très, très agréables. Et je pense qu'ici, il a passé vraiment de bons moments. Jules Verne se plaît beaucoup au Crotoy, si l'on en croit ses mots adressés à son éditeur, Pierre-Jules Hetzel. Nous voici donc installés depuis 4 jours dans ce charmant petit trou du Crotoy. Je dis charmant, bien qu'il puisse paraître affreux à bien des gens. Quand vous viendrez, mon cher Hetzel, il faudra que ce soit l'époque d'une grande marée d'équinoxe. Si le temps est mauvais, ce sera magnifique. S'il est beau, ce sera magnifique tout de même. Vous verrez la mer monter de plus de 20 pieds dans cette immense baie. Du sable, rien que du sable et des dunes sauvages. Et vous verrez, en dépit des méchants, que M. Lavallée a eu raison d'appeler cette côte basse et sablonneuse. Si Jules Verne a reçu son éditeur, c'est sûrement dans cette maison, qu'il a louée pendant quelques années aux ancêtres de Madame Bourgault. C'était la maison familiale, j'habitais là à partir de 1954, j'avais 8 ans. J'ai lu Jules Verne à cette époque-là d'ailleurs, à partir de 9-10 ans. Et... Va mieux sous les mers, l'île mystérieuse, enfin j'étais fascinée, mais je n'avais aucune conscience de ce que ça représentait que d'habiter ici. Hein. Bon, en tout cas, on est sûr qu'il ne l'a pas acheté la maison. Non, moi j'ai les actes de vente et d'achat, et le premier achat remonte à 1846, donc la maison appartenait déjà à quelqu'un, j'imagine, et lui donc a loué là en 70. Donc il voyait effectivement le port au moins, parce que l'entrée de la baie est complètement à l'opposé. La proximité de la mer réveille l'envie de naviguer et les souvenirs d'enfance. Jules Verne a encore en mémoire les virées sur la Loire avec son frère Paul sur de petits bateaux de location. Alors, dès qu'il en a les moyens, il s'adresse naturellement à ses amis du Crotoy pour construire son premier bateau. Et le Saint-Michel 1 a été construit dans les chantiers Asselin qui était juste ici. Donc c'était des bateaux de pêche en fait. Hein. Dès qu'il va gagner un peu d'argent, encore une fois, il ne va pas acheter de maison, il va changer de bateau. Et là, il va passer sur un vrai bateau de plaisance, un bateau de 11 mètres à peu près.
à peine 2 ans après avoir construit ce deuxième bateau, il va tomber amoureux d'une goélette à vapeur. Alors là, on ne joue plus dans la même cour, hein. C'est un bateau de 33 mètres, 2 mâts, il est gréé en goélette latine. Là, on peut parler vraiment d'un yacht, j'allais dire presque de milliardaire. Il fera 2 fois le tour de la Méditerranée, il ira en Scandinavie aussi. L'Écosse, bien sûr. Et on le retrouve dans plusieurs romans comme Le Rayon Vert, comme Les Indes Noires. Ça l'inspire vraiment au niveau de l'écriture. On est vraiment. Mais il note absolument tout. Et dans ses livres, toutes les anecdotes, il les distille, il est réécrit dans ses livres. Et les carnets, ce qui est intéressant, c'est que les carnets de bord ont survécu. Et donc à Amiens, on peut encore les lire. Ça permet de bien s'imprégner de la façon dont il travaillait. C'est dans les archives de la bibliothèque Louis Aragon d'Amiens que sont conservés les originaux de ces carnets. Ils font partie des 20 000 documents que la ville d'Amiens a achetés en 2000 à Piero Gondolo della Riva, un collectionneur italien passionné par Jules Verne. Aujourd'hui, Bernard Sinoquet veille jalousement sur ce précieux trésor. Alors, il s'agit d'un des carnets de voyage de Jules Verne. Jules Verne a beaucoup voyagé, hein, contrairement d'ailleurs à une légende assez tenace. Il a voyagé plus que la moyenne de son temps. Et ici, il s'agit des notes de voyage qu'il a réalisées dans une croisière qu'il a faite de Liverpool à New York, à bord d'un des grands paquebots de l'époque, et le Great Eastern. Là, par exemple, on le voit, mardi, c'est des notes, c'est vraiment du style télégraphique. Hein. Mardi 24 mars, hein, on est début du voyage, arrivée des passagers, départ dans 1 heure. Et donc, au fur et à mesure, il va noter différentes choses concernant son voyage. Il va aller jusque New York. Et arrivé à New York, il va se rendre aux chutes du Niagara. Donc, il fait un petit dessin pour vraiment se remémorer le paysage. Et d'ailleurs, ce voyage, 1 an plus tard, va servir de base à un roman qui va s'appeler Une ville flottante. Et donc, où il va romancer ce voyage à travers l'Atlantique et aux États-Unis. Le soleil, en frappant ses eaux sous tous les angles, diversifie capricieusement leurs couleurs, et qui n'a pas vu cet effet ne l'admettra pas sans conteste. En effet, près de Goat Island, l'écume est blanche. C'est une neige immaculée, une coulée d'argent fondu qui se précipite dans le vide. Au centre de la cataracte, les eaux sont d'un vert de mer admirable qui indique combien la couche d'eau est épaisse. Je vous ai sorti, pour moi, ce que je considère comme un des trésors de la collection. Il s'agit du seul fragment conservé du manuscrit de 5 semaines en ballon, qui est le premier voyage extraordinaire écrit par Jules Verne en 1863. En marge du fragment, il a noté « Ceci écrit en 1862, il y a 32 ans, en 1894 ». Jules Verne a été publié exclusivement par les éditions Hetzel de 1863 à sa mort en 1905. Donc toujours un très beau cartonnage avec des éléments qui rappellent les sujets des romans de Jules Verne. On retrouve des éléphants, des obus, des ballons, hein, et toujours ces fameuses illustrations, hein, qui sont vraiment de toute beauté et qui accompagnent bien l'histoire au fil des pages. Je n'avais pas de prédisposition avant concernant Jules Verne, je n'ai pas fait d'études universitaires autour de l'écrivain, mais je me suis replongé dans son œuvre. Je continue d'ailleurs de la découvrir parce que je suis toujours en train de la lire, je suis loin d'avoir tout lu. Et vraiment, de ce côté-là, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de formidable, quoi. Il y a quelque chose qui donne du goût à venir travailler le matin, quoi. Bernard Sinoquet veille donc sur les archives. Mais les objets du grand voyageur littéraire sont exposés dans la maison, au 2 de la rue Charles Dubois, quelques rues plus loin. À l'époque, l'artiste belge François Skuiten ne l'avait pas encore coiffé. Jules Verne écrira beaucoup ici, dans la ville que sa femme lui a quelque peu imposée. Honorine a souhaité vivre à proximité de sa famille, qui réside à Amiens. Et Jules s'en accommodera parfaitement. Cet hôtel particulier bourgeois du 19e siècle, c'est un cadre magique. C'est d'ailleurs ce qui nous a donné envie de mettre en scène cette maison. Les visiteurs qui viennent ici ont toujours l'impression qu'au bout du couloir, ils vont rencontrer Jules Verne ou un de ses personnages. Et on s'est dit, ben, bingo, on le fait. Ah, mais oui, c'est vrai, nous avions rendez-vous.
Aussi, bienvenue en mon humble demeure. Je suis là. Là encore? Je suis partout. Passe-partout. Lui, c'est le personnage qui est vraiment tout public. Il est foufou, il est débrouillard, il peut connaître toute la vie de Jules Verne. Comme le veut la tradition, l'aîné de la famille doit faire le même métier que son père. Mais on sait très bien qu'il n'est pas devenu avocat. Non, en fait, il a prétexté de ses études pour quitter Nantes. Il est parti à Paris, passer son baccalauréat de droit en 1848, sa licence de droit en 1850 pour satisfaire son père. Mais ce n'est pas par hasard s'il a choisi Paris. En fait, il est parti à Paris pour rencontrer des écrivains célèbres, notamment lors d'une séance de spiritisme. Il a fait la connaissance, non pas de Victor Hugo, mais de Dumas. Et Jules Verne va s'essayer à l'écriture de pièces de théâtre. Il en écrit une vingtaine. Bon, du thème assez léger, hein, de comédie de boulevard. Ce ne sera pas encore le grand succès du Tour du Monde en 80 jours. Mais il a déjà un pied dans le monde littéraire et deux illustres parrains. Mais pour l'heure, Jules Verne a commencé à voyager. Suivez-moi. En 1867, Jules Verne va voyager à bord de ce paquebot, qui n'est pas n'importe lequel. C'était le plus grand de l'époque. Et il va soigneusement tenir un carnet de voyage. Voilà, c'est un écrivain de géographie. Il fait le tour du monde et il aime ça. C'est vraiment... parcourir le monde, c'est vraiment... Il était abonné d'ailleurs aux différentes revues de géographie de l'époque. Moi, je travaille beaucoup sur les sources de Verne, tout ce qu'il emploie, tout ce qui sert pour écrire. Moi, quand il écrit Voyage et aventure des capitaines des terrasses, par exemple, il reprend des récits de voyage, il reprend Émile Debré, il reprend le navigateur Belot. Aujourd'hui, on ne pourrait pas loin de parler de plagiat, parce que Jules Verne met des événements, etc., mais on a des parties qui sont vraiment copiées, quoi. On a vraiment... Et il ne s'en cache pas, parce qu'il cite Belot, hein, quand même. Et puis, à l'époque, on écrivait beaucoup en... Il écrivait des récits de voyage, donc il prenait le récit de voyage qu'il lisait dans le Tour du Monde ou dans les parutions, malgré tout, des œuvres qui revenaient à l'époque, et il s'en servait pour les descriptions géographiques, surtout quand on est dans des lieux inconnus avec le pôle Nord à l'époque. Et donc, les premiers navigateurs, il les repompe, on va dire pompé quand même, hein, parce qu'il copie énormément. Hein, la première partie d'Atterra, c'est flagrante à ce niveau-là. Hein. Et c'est la force de Verne, et moi j'adore ce travail-là. J'adore voir que les inventions qu'on voit chez Verne ont une origine toujours, par exemple. Enfin, tout ce travail-là est quand même extrêmement passionnant, quoi. Jules Verne, on pense à des descriptions scientifiques, des descriptions de décors, ce qui est vrai quand même, c'est une de ses principales activités littéraires. Mais il est capable d'utiliser tous les temps, toutes les personnes et tous les types de récits. Et puis Jules Verne était roi du dialogue, c'était de toute façon un homme vraiment de théâtre. Mais comme beaucoup de gens du 19e, il est complètement pétri par le théâtre avant d'être pétri par le roman. Ah oui, le théâtre, l'une de mes grandes passions. J'ai commencé à écrire du théâtre, notamment Les Pailles rompues, et maintenant Le Tour du Monde en 80 jours qui connaît un succès international. Avec sur scène, notamment à Paris, un véritable éléphant, un système de vagues mécaniques, une locomotive, des chevaux. Et pendant une représentation dans la ville de Périgueux, l'éléphant va même s'échapper du théâtre. Il a traversé toute la rue. Il a fini sa course dans la vitrine d'un café. Le théâtre lui rapportera de confortables revenus. Paradoxalement, bien plus que l'édition de ses romans, dont le contrat avec Hetzel, son éditeur, limite le rapport. Au 2 de la rue Charles-Dubois, les journalistes du monde entier viennent à sa rencontre. Sa femme organise réceptions et soirées dans le salon de musique. Succès, champagne et mondanité. Jusqu'en 1886, année maudite pour Jules Verne. Il se voit contraint de revendre le bateau qu'il aimait tant, son prestigieux Saint-Michel III, pour renflouer son fils Michel, qui a accumulé des dettes de jeu abyssales. Et puis il y a la mort de son cher ami, l'éditeur Hetzel.
et enfin en mars, le coup de folie de son neveu Gaston, qui lui rend visite armé d'un revolver et lui tire une balle dans le pied. La blessure sera très longue à guérir et laissera l'écrivain boiteux. Contraint à une certaine sédentarité, il en profite pour s'investir dans la vie locale et devient conseiller municipal chargé des affaires culturelles. C'est dans cette fonction qu'il aura à cœur de défendre un projet qui fait débat dans la ville d'Amiens. Alors on est dans le square Annie Fratellini, derrière nous le cirque Jules Verne. C'est un établissement qui a été construit en 1889 à l'initiative de Jules Verne, qui a été conseiller municipal d'Amiens et qui a pris l'initiative, avec son ami Théodore Rancy, de créer ce lieu pour remplacer un cirque en bois qui existait depuis 1875, donc qui a duré 14 ans, mais qui a été remplacé par cet édifice au moment où on fêtait aussi le 100e anniversaire de la Révolution française. Donc c'était un symbole républicain important, mais c'est aussi un symbole du spectacle vivant dans la ville que Jules Verne aimait beaucoup. Il aimait le théâtre, il aimait le cirque, et c'est grâce à lui, en fin de compte, que ce lieu aujourd'hui existe, et il s'est beaucoup investi dans ce lieu. Il va faire un roman qui s'appelle César Cascabel, qui raconte une histoire absolument merveilleuse où on voit cette famille française de cirque aux États-Unis avec sa roulotte remonter jusqu'en Normandie par le détroit de Bering, la Russie, pour arriver en France. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aimait le cirque, qui était vraiment très ami avec Théodore Rancy. Théodore Rancy, ça a été celui qui a été le producteur du cirque en France. Là, on est au centre de la piste. Cette piste qui forme, en fin de compte, l'esprit du cirque, puisque c'est la piste qui a créé le cirque, et en tout cas le cirque moderne. Et puis on est au-dessus de la coupole, donc qui est une coupole extraordinaire, avec portée par 16 piliers, qui constituent vraiment la structure, je dirais, architecturale assez exceptionnelle que Jules Verne a fait avec Émile Riquier, qui était l'architecte qui a construit cet édifice. Et vous voyez que la toiture ne repose sur aucun poteau à l'intérieur du cirque. Donc la grande innovation technologique, c'était de mettre ces fermes qui font au moins 22 mètres chacune et qui permettent de pouvoir poser la toiture du cirque sans qu'on ait de poteau intérieur pour que la visibilité soit maximum pour tous les spectateurs, quelle que soit la place. Frédéric Petit, qui était le maire à l'époque, lui a laissé, disons, l'honneur d'inaugurer le cirque qui porte maintenant son nom. Et en même temps, je pense que Jules Verne, dans son discours, va donner une description assez précise des choix d'architecture qui ont été faits pour ce lieu qui est quand même assez massif, fort, dans une ville qui se développe. Et donc, en même temps, il va indiquer aussi qu'il ne sait pas ce que donnera le cirque dans les prochains siècles, mais en tout cas, il est sûr que ce qu'il aura coûté sera, disons, à la hauteur de ce qu'attendent les Amiénois d'un lieu comme celui-ci. S'il revenait dans le cirque, il aurait l'impression de l'avoir quitté hier, parce que, globalement, rien n'a changé. Si Jules Verne revenait aujourd'hui, il serait sans doute flatté de découvrir à Amiens le centre international qui porte son nom. Marc Sayous, son délégué général, propose ici de la documentation, des conférences, des expositions et édite la revue Jules Verne. Le centre continue ainsi à faire rayonner l'œuvre du grand écrivain. Je pense que l'objectif de Verne était la fiction à l'état pur, la littérature, mais une littérature tout à fait particulière, qui se prête d'ailleurs au travail du Centre international Jules Verne, qui est de croiser les chemins, d'amener des arts, de la science, des techniques, de la géographie, du voyage, le tout dans une option littéraire, poétique. La géographie, les espaces vastes, les trajectoires, les machines, étaient des choses qui, à l'époque, étaient essentiellement modernes et dont il est nécessaire de retrouver la transposition. Il m'a fait partager ses livres. Je les ai tous lus. Lecture facile. Tolstoï, Dostoïevski, Viking, Voyage sans fin. De toi à moi, Jules Verne reste mon préféré. Tu connais Jules Verne ? Bien sûr. Comment est-il ? C'est
Évocation parfaite de la modernité et de la citation permanente de Jules Verne dans le domaine de la modernité. C'est comme une référence paternelle, un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois plus que la science-fiction la projection de la pérennisation de Jules Verne à l'an 2100-150. Ce qui veut dire que finalement, j'aurais bien fait mon travail. Et que nous aurons réussi à donner de l'impulsion pour que cette jolie brune puisse finalement s'intéresser à Jules Verne, ce qui finalement est quand même le but. Retour au Crotoy. Philippe Alexandre et Samuel nous emmènent chez Arlette de Bonnefoy, une descendante du poète Millevoye. Car il semble bien que Monsieur Verne séjourna quelque temps dans cette belle propriété de la baie. Avant la guerre, il paraît que dans le grenier de la partie qui s'avance vers la mer, là, il y avait des grèves. Et on ne les a jamais retrouvés après la guerre, parce que les Allemands ont occupé cette maison pendant 3 ans. Mais la tradition familiale, quand même... disait quand même qu'il était venu parce qu'il y avait la preuve de ces gréments qui appartenaient à ces bateaux. Il aimait travailler avec cette mer devant, enfin cette baie devant lui. Mais il y avait une étendue de sable, donc avec des couleurs, avec des choses extraordinaires. Alors, je pense qu'il le dit bien, je crois, ou c'est vous qui le dites, d'ailleurs, vous parlez un peu pour lui. Je crois qu'il a dû être... ça a dû l'inspirer de toute façon. On a tendance à dire que Jules Verne aussi avait, s'est inspiré du rayon vert. Alors, est-ce qu'ils sont réussi à alors, avoir le rayon vert, monsieur, je vous montrerai mon rayon vert, qui n'est pas le vrai rayon vert, moi, je n'ai jamais vu. D'accord. Mais vous allez voir la mer émeraude que j'ai photographiée en 4 minutes. Voilà. Ah oui, d'accord. Et j'ai pas triché, je ne fais aucun trucage. D'abord, je suis incapable de les faire. Ça se verrait, mais voilà. Ah, si Jules Verne a eu la même, le même coup d'œil, il a certainement été fasciné comme vous l'êtes. Hein. Ah, mais sûrement. Mais je pense que tous ces gens-là, ils ont des passages dans certains endroits qui les inspirent. Alors, à eux de faire leur roman. Hein. Apparemment, ils ne venaient que l'été au début. Oui. Oui. C'est vers 1868-69 que dans une lettre, il dit « on va s'installer définitivement au Crotoy ». Bon, là, on ne sait pas très bien pourquoi il avait besoin de se retirer ici. Il y a eu des suppositions concernant un problème conjugal. Et donc, bon, ça pourrait être une explication. Ah oui, voilà pourquoi je n'aimais pas beaucoup Jules Verne. Excusez-moi, messieurs. Mais d'ailleurs, c'est les femmes qui n'aiment pas beaucoup. Vous savez pourquoi ? Parce que dans tous ces romans, c'est passionnant, tout ce qui est l'aventure, les découvertes, etc. Alors, il y a un manque d'humanité, puis il n'y a pas de femmes. Si, mais ce n'est pas dans les romans les plus célèbres. Mais oui, c'est bon. Ça. Il en a eu des femmes, mais je l'ai appris après. Mais moi, je pensais qu'il avait sa femme. Non, je voulais dire, dans ces romans les plus célèbres, effectivement, il n'y a pas de femmes, comme dans 20 minutes sous les mers. Mais en réalité, si on prend les 60 romans, les femmes sont très présentes. Alors, indiquez-moi un roman, ou deux, de lui. Alors, celui où il parle des femmes, peut-être. Peut-être, hein, pour voir comment il était. Rayon vert, ça, voilà, ça m'intéresse. Alors, il faut lire le rayon vert. Ce cher rayon vert que je fabrique parce que je ne le connais pas en réalité. Justement, vos photos me font penser au Pays des Fourrures. Ouais. Je me dis qu'il n'a pas besoin d'aller là-bas s'il a vu la même chose que vous avez vu avec l'appareil photo. À mon avis, il n'y a pas de page où on représente la mer de façon si colorée, même chez Victor Hugo, qui pourtant a fait de longues descriptions. Et il se bat pour ça, puisque même à Hetzel, il dit clairement le but de ma vie, c'est d'être un styliste. Il veut écrire avec du style. Quoi. Donc, il a peur d'ailleurs. Il a l'impression qu'il ne le maîtrise pas, ce style. Et Hetzel l'aide bien dans tout ça. Mais lui-même, sa vocation, c'est ça. Il y a des romans comme Le Rayon Vert, c'est une poésie extraordinaire. Ouais, très, très bien écrit. Ceci dit, quand même, c'est une écriture un peu laborieuse. Il revient souvent sur ce qu'il a écrit. Il met du temps à peaufiner un texte, à trouver les bons mots, etc. C'est pas une espèce de génie intuitif qui sort du premier coup la phrase. C'est pas Balzac. Hein, c'est pas Balzac, c'est sûr. Alors, c'est parfait. Gens, vous m'avez ouvert une... Je vais avoir des nuits extraordinaires, comme ça, je vais pouvoir me plonger là-dedans. Et peut-être verrez-vous le roman vert. Le roman peut-être vert. Je le verrai dans son livre. Jules Verne, par un de ces prodiges scientifiques dont il avait le secret, observera peut-être Arlette de Bonnefoy lisant Le Rayon Vert. Il pourrait aussi voir ses innombrables lecteurs d'aujourd'hui, toujours enchantés de le suivre sur les chemins de l'aventure, de la découverte et des sciences. Ceux-là ne savent pas toujours que ce sont les terres et les côtes picardes qui ont inspiré une bonne partie de son œuvre. Jules Verne a aimé la Picardie. Aujourd'hui, elle le lui rend bien
en faisant venir à lui des admirateurs du monde entier.